Bien sûr, Africa, c'est un grand espoir, mais aussi, quel enseignement tirez-vous de cette belle victoire? Je suis satisfait. Je pense que c'est le match du match. La meilleure façon d'entamer cette compétition, c'est de prendre les 3 points. C'est bien pour la suite. Je suis content. Est-ce que vous pensez que les joueurs évolueront? C'est mon souhait. Mon souhait est qu'il aille le plus loin possible jusqu'en finale. Mais ça passe étape par étape, chaque match après match. Ils ont fait celui de ce soir. Avec les 3 points, c'est le plus important, c'est ce qu'on retient. Après, le match suivant, je pense qu'il faut se mettre à l'abri avec une victoire pour la qualification. Alors, quelle est la lecture du match, la lecture du jeu des éléphants? Je dirais moins de rythme. Je pense que. Peut-être comme c'est le premier match aussi, on ne va pas trop le juger. Je pense que ça va être bien qu'ils montent un peu en puissance. Je pense que ça nous est déjà arrivé. Mais on aura une meilleure équipe, je pense, que dans les matchs à venir. Merci. Pensez-vous que les éléphants peuvent battre le Nigeria? Je pense qu'on peut battre n'importe quelle équipe. Si on vit, on met tout ce qu'il faut, on joue avec la qualité de chacun, on a un état d'esprit collectif, on peut prendre n'importe quelle équipe. Pour moi, il n'y a pas une équipe qui peut, où on peut s'inquiéter à faire un match. Donc oui, on peut battre n'importe quelle équipe. Face à l'équipe qui était très prenable, quelle était le plus match? Prenable, mais je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'équipe guinéenne, je pense qu'elle a produit beaucoup d'autres quand même. Surtout on imaginait avant ce match, c'est parce qu'il est arrivé. On avait une bonne équipe, bien organisée, bien en place. Elle a manqué d'efficacité, mais par contre, elle s'est concrétisée par mal d'occasions. Je pense qu'il faut les féliciter aussi, c'est bien pour la suite. Je retiens les 3 points de mon équipe. Merci à vous. Merci beaucoup, Jérémy.